مازال في لون ننسو في سون قبل ان نروح حد نواليت نبقاو نبساكي غير نبقي اون دو بواساكي نروح حد نواليت الفيتيار ومن بعد نوال
أزول في اللون أن سوفي سوين أرث ويلت بوساكيان إي دي سادين دي تيلي زران تيكي سانك ساكي بوان ديوني نبقيا أميس يكو دي باباس وكي مستانا بالكاشار وكي باباس المولود كاشار مستانا باليون أمليا بيان دي الدب خضار إكسان 23 سقوسن شنيت بذيض داب خضار نغيو ميقارن داقيا للسوكر دي 2011 دي غرباز الأكاديمي دي الامباكت دو موريال شادر دينا داكو فنشتا دونك بخمير موان زول في الأول لولار دي هزازقار دونك أيغا الفوتبول فافا يتساوي أغا لي ماتش ميلاني مشطوحن دونك ينكو كذيما سا كومونسي تخي فيت لا باسيون دونك سي كوم ساك سيني Et c'est comme ça que c'est qu'on a continué dans le football, moi, toute la famille. Lorsqu'on est arrivé au Canada, il y a inscrit hier les équipes amateurs. Il nous a même coaché. Et donc, c'est comme ça qu'il veut dire. Après, quand il y a eu la création de l'Académie de l'Impact de Montréal, j'ai été tenté ma chance, j'ai été pris. Donc, c'est de là que c'est devenu un peu plus sérieux et que je me suis... vraiment focalisé sur le football et pour en faire mon métier aujourd'hui et ma job. Donc ce gosse 2015 tu chemin de gueux terbat qui me connaît FC Montréal. Ta gueux FC Montréal là qui est youth terbat il est encore bas l'impact de Montréal, c'est-à-dire c'est le club école. Tu as votre signe ce gosse en dedans mais là je fais avec quelqu'un. La chaîne d'Arnaud Finchtag. Donc mes CR 18 ans ils m'ont offert, l'Impact de Montréal m'a offert mon premier contrat professionnel, mais Kennedy, donc l'équipe réserve, parce que l'équipe première était déjà complète et on n'avait pas encore le niveau. On s'est allé le niveau à Nkushim directement avec l'équipe première. À Khatar, on était encore jeune. Donc, la première année difficile parce que c'est une ligue professionnelle. On joue contre des adultes, on a juste 18 ans, on joue contre des gens qui ont 28, 29, 30 ans, des gens plus expérimentés. Plus grand, plus fort. Donc, comme expérience, c'était une très, très bonne expérience. Mais après, la deuxième saison, ça s'est très bien passé. Donc, dans nos têtes à nous, en tant que joueurs, on a grandi de ça en tant qu'individu, mais aussi en tant que joueur. Et malheureusement, à la fin de la deuxième année, ça a été surprenant qu'ils nous annoncent que l'équipe, elle n'existera plus. Décevant, mais aussi, pour certains comme moi, une nouvelle opportunité d'aller ailleurs. غاتورا غاد نزيو ورباباك وكين قال المولود زول فلاك المولود زول سلام تنمرتي كيميت قبل باش نبقي ياكي المولود امشي تحول فاض ميميش لابس موريال تبلا ستاجير فيرمي ومن بعد اسكو تحول فاض امشي تضرون ورزدات يمي نو كي او ديبار ني عازي فو ساتوندر تو باسكو سي ان باركور Il y a positif des fois et négatif. Le plus important, c'est qu'il y a l'académie. Donc, ça, un palmarès, c'est un pressbook avec lequel il va faire son avenir. Donc, il me dit, je lui dis au contraire, ça peut être une opportunité d'aller ailleurs, de voir ailleurs. Aussi, rester ici pour un professionnel, quelqu'un qui a de l'ambition, une zone de confort, tout le temps à côté de la maison, chez lui à Montréal. Et il faut voir ailleurs. Donc, c'était une opportunité d'aller voir des autres équipes. Donc, il a pris un agent qui a travaillé fort avec lui. Et de là, il lui a trouvé une équipe qui voulait son profil. Et c'est parti. Donc, au contraire. Au contraire. D'ailleurs, ce que je lui transmets toujours là-dessus, c'est pour ça qu'il a fait un bon parcours. La persévérance. Il ne faut jamais ralentir. Il faut aller. Il y a un échec. Il faut chercher à réussir ailleurs. Drame de 2017. تروح حضر امريكان تروح حضر يوث انترفاتي من قرن كولورادو سويش باك اف سي اكس 11 دو لي اس ال 3 دينا 3 مليح تماركيض سبيس وين ماني ماني دون سبا 7 بي 7 باس 7 فوالا شويه انا بيان فورمي امشي تحول فاضي ماني هنا مثل اللوض 3 مليح لا سيزون ني تسوي سويا Eh, donc, premièrement, on a décidé, Rohar a fait la vidéo de l'impact, il m'a répondu, il a vraiment aimé mon profil de jeu, il a dit, je crois que je vais avoir une équipe
qui va être intéressé pour toi et qui tu vas leur intéresser aussi. Donc de là, j'ai pris connaissance à la rencontre le coach à la téléphone. C'était un peu différent pour moi parce que je ne le voyais pas, je ne connaissais pas trop ça. C'est l'américain, c'est loin de la maison. Mais à la rencontre le coach, on s'est mis d'accord sur les points. Il avait besoin de moi, il me voyait quelque chose en moi dans cette équipe. Donc j'ai pris le risque et la chance d'aller là-bas. J'ai travaillé très fort dans les débuts parce que c'est un changement, d'environnement. Pardon. Donc quand tu changes d'environnement, c'est en altitude, les joueurs jouent plus physique, c'est plus costaud, c'est les Américains, c'est comme ça la culture du sport. C'est beaucoup l'entame sur le physique et ça s'est très bien déroulé petit à petit. J'étais le joueur le plus jeune de l'équipe, mais petit à petit, on m'a donné beaucoup de confiance. Et de là, j'ai bâti tout le reste de la saison. J'ai été en confiance, marqué, j'ai fait des passes décisives. Et c'est là que j'ai un peu bâti ici, mais aux Américains. D'abord, le Mouled, il est aux Américains. Qui est-ce 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 C'est sûr que ce n'est pas facile parce que, comment dirais-je, c'est notre enfant. Donc, la séparation à 18 ans, Charles. À 20 ans. 20 ans. 20 ans. À 20 ans, bon, c'est juste pour le travail ici au Canada ou à Montréal, mais il part loin, au Colorado. Mais il ne faut pas lui montrer ça aussi, sinon ça va être difficile pour lui, il va le vivre mal. Neras, donc Neras, écoute, le jour il fallait voir Neras. On n'est pas obligé de se voir le matin, salut, je lui dis à tout à l'heure. Maintenant, avec la technologie, on peut parler FaceTime, appeler au téléphone. Donc, Neras, à tout à l'heure. Je ne l'ai pas vu le matin. Il a pris le vol. Puis le soir, allô, ça va? Oui, très bien. Donc, c'est là pour lui faciliter la tâche. Parce que l'attachement Néderan ne va pas te mener loin. Vraiment, le métier américain, juste, ce que tu as dit, c'est que tu as dit que tu as dit que ريوث تربت يمقرن ريال مونارك امشي ليكسبيرونس هي امريكان تروح ريوث تربت سكوستو التورثايوض سكو داين الهان يتولى داين الهان وجد il faut comprendre que l'avare contre eux déjà donc l'avare contre eux l'avare très bien j'ai très bien joué contre eux et je savais que ça a l'intérêt pour moi qu'ils voulaient que j'aille jouer dans leur équipe parce qu'ils me disaient toujours des commentaires après les matchs. J'entendais des agents que c'est un club qui m'intéressait et c'est le club qui a gagné le championnat cette année-là. Donc, ils ont gagné le championnat. Donc, à coup, les joueurs de la Ligue vont aller dans leur équipe parce que c'est une équipe, c'est une très bonne équipe. Et c'est une équipe avec beaucoup d'ambition et qui n'a pas peur de le montrer. Donc, à la fin de la saison, Nikhil Colorado signe les droits à nous pour une autre année. Mais Real Monarch, vraiment, il voulait vraiment que j'aille dans leur équipe. Donc, j'ai dû changer d'agent. Il a trouvé un deal, un transfert qui s'est fait. Donc, Al Real Monarch est senior pour 2 ans. Donc, l'année passée et là, l'année qui s'en vient, 2019, je vais à Doha la Ardenne. Je suis dit que le Real Monarch est un youth interbat. Il est un youth interbat. Il est un Real Saint-Lac. Il est un youth interbat. Il est un toujours la MLS, la Ligue majeure de soccer, d'agir américain. Donc, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Est-ce que c'est des ambitions c'est ça l'idée. Miro Harsi l'impact, Miro de FC Montréal, Miro de l'impact. L'objectif, c'était de rentrer avec la première équipe qui joue à MLS. Parce qu'il faut le dire que la MLS, c'est le plus haut niveau en Amérique du Nord. Donc, c'est ce que je vise, moi, de jouer au plus haut niveau. Donc, j'ai été capable de prendre un pas derrière. Et là, cette année, j'en ai pris un devant. Et l'objectif ultime, c'est de signer le premier contrat en MLS. Mais là, en ce moment, on est en deuxième division, donc il a USL. Et oui, l'objectif ultime, c'est monter à la prochaine étape. C'est le club école qui est l'équipe. Puis il a un petit peu de Est-ce que tu n'as pas mis à qui Ben non, moi, je pense qu'il a certaines tendances que j'ai aussi, la tête sur les épaules, il faut aller step by step, étape par étape. Le fait qu'il joue avec une équipe qui a la première, ça veut dire qu'au USL, ils ont la MLS, c'est un pas en avant, donc il y a un contact direct. Et je pense qu'il s'entraîne, il l'appelle de temps en temps à s'entraîner avec eux, donc c'est un moyen de rentrer le plus vite possible en MLS si cette équipe-là demain voudra de lui.
Le changement aussi de switchback vers Salt Lake City, c'est une bonne chose parce que Néas, tu ne vas plus jouer avec facilité, tu vas aller jouer avec une équipe qui a gagné le championnat. Donc les défis sont grands. Automatiquement, tu vas jouer avec de très bons joueurs, ils vont te sortir de ta zone de confort. Et là, c'est là que tu vas progresser plus. Puis, de là, s'il y a la jonction avec l'équipe première, c'est ce qu'on souhaite. Donc, toujours avec l'entourage de Neuch, Kouas, j'imagine que Sahara est toujours place ou... Il faut d'une manière objective aussi. Il ne faut pas trop le gonfler parce qu'il perd la tête. Et il faut le soutenir, l'encadrer. Quand il a besoin de conseils, par exemple, il m'appelle, on parle. Mais les décisions, je lui laisse toujours le choix de prendre des décisions parce que c'est son avenir. On a parlé, on a été différents sur certaines décisions, mais c'est son avenir. Après, quand il voit que c'est bien pour lui, let's go, vas-y. Oussana, qu'est-ce qu'il y a des Américains, qu'il y a des Stéphoyens? Qu'est-ce qu'il y a des... Est-ce que le chemin... نير داستافو نير لانت نو داستافو il faut comprendre qu'une qu'une lave pendant 10 mois pendant 10 mois on est sur le terrain pas de vacances donc de adoura la rthoula adoura la en janvier adoura en février jusqu'en fin octobre donc ou lâche les vacances on ça un mois et demi deux mois de vacances donc le mois de novembre décembre il a qu'noura en janvier donc sur le à Montréal la famille surtout, la famille, on va se ressourcer un peu, et on va voir les amis. Un peu de couscous. Et après on repart. C'est ça l'idée des vacances et pourquoi je suis ici. Bien sûr que je m'entraîne aussi, je vois les agents, les sponsors et tout ça, donc c'est juste de revenir se gonfler un peu avant de repartir. Est-ce que toi, là, il y a une différence Bien sûr, une grande différence. Avec des jeunes, toute l'année où avec des gens de ton groupe d'âge, pour moi, c'est la plus grande difficulté. C'était ça, c'était de jouer avec des personnes, des jeunes de mon âge et de transférer vers un niveau un peu plus fort avec des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi et qui sont aussi beaucoup plus expérimentés que moi. Tu dois t'adapter très vite. Et c'est là le moment le plus difficile. Et là, je trouve que ben, sur le terrain, soit la vitesse de jeu, le contact physique, que ce soit n'importe quoi, là, tu t'adaptes et tu vas de l'avant avec ça. Et si tu es allé dans le Canada, c'est une année de l'Amérique, c'est ça? Est-ce que tu es allé dans le monde, est-ce que tu as un lien Il faut comprendre que c'est très difficile pour moi d'y aller régulièrement. Bien sûr, toute la saison, je suis occupé, c'est mon travail, c'est mon métier. Mais au moins, ça, on a une bonne chose. Au jour d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Donc, ils peuvent m'envoyer des messages, des vidéos, il y a Skype, FaceTime, c'est un coulouche pour justement pouvoir garder des nouvelles et ne pas perdre ce lien, que ce soit familial mais aussi avec le pays. La dernière fois au Rohar, c'était en 2007, donc ça fait quand même 10 à 11 ans. Ça me manque beaucoup, bien sûr. Je lui en parle même au téléphone souvent. Il faut qu'on prenne au moins 2 semaines, 3 semaines, mais c'est difficile pour moi. Quand je reviens, eux, ils travaillent, donc ça ne coordonne pas. Mais j'espère à Rohar, bientôt. Est-ce que c'est un kid Zaran Blimmi il se lève d'Américain, c'est l'Académie de l'Impact, il est américain. Est-ce que c'est un filles? Oui. Est-ce que tu as 20, voilà. Oui, tu as 20, c'est un kid, des amis, même, oui, aussi Zaran Mlech, Zaran, c'est mon fils. Et puis, ils se sont amis avec eux sur Facebook. Darna, c'est un kid, il aime ça, c'est-à-dire... Il va avoir toujours le contact avec le Khvail Ndagir. Il a dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Est-ce que c'est un market par rapport à l'année passée, ainsi de suite. C'est le Khvail Ndagir. Le Khvail Ndagir, c'est le Chinois et qui ont entraîné dans ce pays-là. Déjà, c'est le Mouth, donc il a été entraîné dans le stade de l'Avar. J'ai entraîné dans le
à bas niveau à l'époque. Donc, donc l'intérêt, ils ont développé l'intérêt pour le foot. Et mais dans le Bandardagui, donc il y a des clubs, si je m'en souviens, des clubs, donc ils sont lancés avec des entraîneurs. Une Kenya, je l'ai entraîné une année et demie à Kenya, plus les plus vieux. Après, il a gardé dans des équipes de son âge, de sa catégorie. Et c'est là que ça a commencé. Et la base. Oui, la base, c'est sûr, il y a un lien parce que. En tant que sportif, donc, on est mieux que celui que je me dis le foot. Moi, c'est un abat. JSK, dans le MOB, dans JSMB. JSK, bien sûr. Mais là, je suis JSK, une soirée à la télé. Je me rappelle encore des images. Un lit de l'appartement, le match. Tu entends les klaxons dehors, tu vois les drapeaux, tu sais où. Donc, c'est avec la JSK que j'ai grandi. Je respecte toutes les équipes, bien sûr, mais JSK. Est-ce qu'un jour, à Noël, il y a Mastanabas Tricot Pourquoi pas. C'est des rêves, c'est du haut niveau aussi, il reste beaucoup de travail. Mais pourquoi pas. De toute façon, avec la nouvelle direction, avec Guylain Turin à la tête de la GSK, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, il y a la ville, il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. C'est bien ce qu'ils font parce que ce qu'on appelle sentiment d'appartenance, ça me dit qu'il y a la GSK, les joueurs inès, que, bon, sont, maintenant c'est professionnel sans faire de la distinction parce qu'il y a des chars dans le Rav, dans le Sud, mais c'est sûr le sentiment d'appartenance aide beaucoup. C'est une référence, c'est la vôtre des Thervates. Tmurti, c'est la région, c'est important. C'est le travail, c'est la persévérance, c'est le travail. Je fais assez de semis, je mets l'impact, 6 heures du matin, il s'occupe de ses affaires, et car en même temps. Mais il faut continuer à réussir, il faut continuer avec ce mode d'emploi. Donc c'est la marque qui a fait quelque chose. Moi, j'ai fait un test sur le virus. Donc tu vois, par la peine qu'il dit, quand il va partir, il dit, le tibura, il s'est La caméra est en arrière. La chaîne des nœuds est ouverte depuis le 2025. Sahed, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous connaître. Thelmirth. Et surtout, il faut savoir qu'on représente les Kabyles, n'importe où qu'on soit, on représente toujours notre terre et on est fiers de ça. Merci Thalmir TQ5 de m'avoir invité. Thalmir TQ5 de m'avoir invité. Thalmir TQ5 de m'avoir invité. Thalmir TQ5 Salim, Thalmir TQ5 de l'émission à Guy. C'est qu'il y a la chance d'aller à Mastar. Parce que c'est une chance de la communauté. Then Mertenouin, encore une fois, et Wikilard de Tuelin, et Wikilard de Sille, et donc d'une heure à ce nom, comme dit l'année.